Les besoins d'un débitmètre à effet Coriolis à deux fils continuent d'augmenter. Personne ne le comprend mieux que Tom. Pour la société de Tom, les coûts de planification, de conception et les dépenses d'investissement sont trop élevés. Aujourd'hui, un vieux réseau câblé à deux conducteurs à paire torsadée connecte toutes les unités de traitement et les instruments de mesure dans le schéma de contrôle-commande de l'usine. Tom souhaite mettre à niveau leur point d'écoulement actuel pour améliorer la précision des débitmètres et minimiser les coûts d'installation. Emerson peut l'y aider. Avec le nouveau transmetteur à effet Coriolis à deux fils Micromotion 4200, Tom peut adapter sa technologie de débitmètre et réduire ses dépenses d'investissement. Le Micromotion 4200 accélère la mise en service car il partage l'alimentation et le signal sur la même paire de fils. Il réduit aussi les risques de sécurité d'installation puisque l'installateur ne doit pas installer une paire de fils supplémentaires. Le débitmètre à effet Coriolis à deux fils de Micromotion ne requiert ni longueur droite ni conditionnement de débit, offrant ainsi une solution robuste, répétable et fiable. Cela se traduit par une qualité de produit améliorée, moins de reprises et de gaspillage. Que peut encore faire le Micromotion 4200 pour permettre à Tom d'optimiser le procédé, de réaliser des économies et de faire confiance à la mesure du débit? D'abord, le transmetteur Micromotion 4200 est complètement configurable au moyen de l'interface opérateur local. Aucun logiciel ou appareil portatif supplémentaire n'est requis. L'indicateur graphique tactile capacitif permet la configuration sans retirer le couvercle en verre. Il n'exige pas de retarder la mise en service tant qu'il n'a pas un permis de travail à chaud. En outre, le débitmètre à effet Coriolis à deux fils Micromotion 4200 dispose de Smart Meter Verification en option. La validation du débitmètre intelligent contrôle l'état du débitmètre, offrant ainsi l'assurance que le débitmètre fonctionne correctement. En cas de changement de l'état du débitmètre, Tom est alerté et reçoit une suggestion de plan d'action. Le Micromotion 4200 est aussi doté d'une historisation des données, procurant à Tom un journal des données de procédé, des alertes et un journal d'audit complet pour identifier avec précision tout problème affectant le procédé. L'enregistrement chronologique des données démarre automatiquement à la mise sous tension du transmetteur, et les rapports de Smart Meter Verification, les journaux d'audit, les journaux d'alerte et les données historisées sont horodatés avec son horloge en temps réel intégrée. La validation du zéro est intégrée au transmetteur Micromotion 4200, ce qui permet d'éviter les conjectures relatives à la mise à zéro du débitmètre. La validation du zéro vérifie la stabilité du procédé et exécute un algorithme afin de déterminer si le débitmètre doit être remis à zéro. Le Micromotion 4200, à parier avec l'un des capteurs à grande fiabilité de Micromotion, offre un mesurage de niveau international dans un appareil à deux fils. Réduisez votre câblage, pas vos attentes. Choisissez le transmetteur Micromotion 4200 à deux fils. En savoir plus sur le transmetteur Micromotion 4200 à deux fils et nos débitmètres à effet Coriolis à www.emerson.com/micromotion4200.